Alors aujourd'hui, on va parler de maisons en rénovation et puis de problématiques qu'on rencontre dans ce genre de maison. C'est que parfois, par exemple, on a des placards ou des WC pas très loin d'une cuisine, ça peut même être d'une salle de bain dans les anciennes maisons. Et l'idée, c'est de faire disparaître cette pièce. Alors, plutôt que de faire disparaître, moi j'aime bien au contraire m'en servir et la faire apparaître. Et là précisément, dans ce cas-là, on a décidé de transformer ce WC en une caisse de transport. Alors c'est simple, on a pris de la volige, on a pris des pièces de palettes, hein, des pièces de bois de palettes, de vieilles palettes qu'on a reconditionnées, qu'on a recyclées, et on a collé notre structure sur le mur, hein, le mur en placoplâtre en l'occurrence, avec de la colle, genre grosse colle bien épaisse qui tient bien. Ensuite, il a fallu intégrer le radiateur et la télévision, puisque dans cette cuisine il y avait une télé, et on s'est servi en l'occurrence de ce support et de ce concept de caisse pour venir faire une sorte de petite porte qui roule sur des galets pour parfaire l'illusion de la caisse, hein, pour que la télévision ne soit pas toujours visible. Enfin, on a aussi intégré le radiateur dans cette caisse de transport, et pour que la chaleur passe, on a intégré une grille devant le radiateur, toujours sur un rail, pour donner l'illusion de. Ensuite, il a fallu tout simplement reproduire des grosses inscriptions en haut et en bas de la caisse pour signifier que c'était une caisse de transport. On aurait pu rajouter American Airlines ou un truc un peu à l'américaine pour donner un petit peu d'exotisme à l'ensemble. Ben, je crois que c'est à vous de jouer maintenant. Et puis, en l'occurrence, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances.